Le Hirtsfels possède l'une des plus belles dalles sommitales et également l'une des plus belles pinèdes sur dalle. La voici, la pinède sur dalle du Hirtsfels. Elle est absolument splendide. Quel caractère naturel et sauvage trempé! Ici, j'aperçois de nouveau le fameux pin aux aiguilles brunes. Qui donne un cachet tout particulier à cette pinède sur dalle. J'adore. Au fond, j'aperçois les deux mamelons boisés portant les ruines de la Wengelburg à gauche, puis de la Hohenburg et du Löwenstein à droite. Le Löwenstein et la Hohenburg sont situés au sommet du Schlossberg, ici visible. Le panorama est dantesque. Mais attention cependant, car le site est extrêmement aérien. Et de surcroît, non sécurisé. Le précipice est abyssal et pour des raisons évidentes de sécurité, je ne m'approcherai pas plus. Pour boucler en beauté ce tour panoramique du sommet du Hirtsfels, je ne peux m'empêcher de jeter un coup d'œil en direction de la France et de la forteresse du Fleckenstein. Ici visible au milieu. Ce panorama est absolument exceptionnel, unique en son genre, dans tout le proche secteur. À consommer sans aucune once de modération, bien sûr.